Bien oui, bienvenue en cette deuxième prophétie du ciel Montmardi. Et le neuvième jour, il leur dit, bon, ça fait plusieurs personnes que je parle, tout le monde, ils seraient d'accord pour le rond-point à Coluche. Bon, il faut trouver des buts. La prophétie, c'est ça, c'est pour changer les âmes hors tisseurs. Tu vois, c'était André Citroën qui avait raison. Ah, arrête de faire du bruit. Pour changer les âmes hors tisseurs, c'est comme changer de Big Mac Ferson. Ça, vous n'allez pas comprendre, c'est l'histoire des jambes de force. Les amortisseurs. Voilà. Ne pas laisser Lucifer, plutôt Lucitroën. Car quand il s'agit de changer de sphère, seule la clé de 12 desserre et resserre le conjoncteur disjoncteur spatio-temporel. C'est pour ça que voilà au point à Coluche. Moi, ça marquera bien le coup pour eux. Le dixième samedi ou l'onzième. Ne pas laisser Lucifer, c'est le pouvoir, comme Citroën. Car pour changer de sphère, voilà, la clé des bulles. Il faut accorder les zodiacs. Hier, c'était pour tout le monde s'accorder. Bon, on va dire que c'était légèrement turbulent. Le gros point à Coluche, puis c'est samedi prochain. Planétaire. Et le 9e jour, il leur dit, voilà. Envoyé spatial. Spatial, portée éternelle. Patché salut. Inch'Allah men, Irai Mazel Tov. Et voilà.